Je m'appelle Valentin, je suis en troisième année de CRMI informatique à Montpellier. J'ai 20 ans et je vais faire ma mobilité étrangère à Malaga. Je connaissais déjà deux noms. Après, on a souvent reçu des mails. Donc à Montpellier, on reçoit des mails de notre responsable qui nous présente les programmes. Donc ceux du Canada, ceux d'Erasmus. Donc je me suis renseigné là-dessus et voilà. J'avais l'habitude de partir en Espagne, donc j'ai fait plusieurs voyages à Barcelone, vu qu'on est très proche depuis Montpellier. Donc c'est un pays que je connaissais, et puis pourquoi pas aller là-bas, je connaissais pas l'Andalousie. Je vais essayer de faire tout ce qui n'est pas possible de faire en France, donc visiter les pays à côté, le Maroc, je suis très proche du Maroc, puis rencontrer beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de nationalités ici, donc ça va me permettre de m'ouvrir beaucoup intellectuellement, je pense. Je me suis renseigné sur internet, donc les prix ici sont assez élevés et je m'attendais pas à ça, mais la plupart des logements sont en colocation. Donc je vais être avec 5 personnes, je crois, donc plusieurs nationalités différentes. Je suis à La Union, donc c'est entre l'université et le centre-ville. Donc je pense que ça va être bien, j'ai les transports pour aller à l'université, ça marche bien à Malaga. Alors j'ai tous mes cours en espagnol, donc on va voir ce que ça donne. J'aurai les examens aussi en espagnol, donc je pense que je vais devoir m'habituer. L'université de Malaga a proposé 2 semaines de cours d'espagnol intensif juste avant de commencer les cours, donc ça permet de se remettre dans le bain un petit peu, de pratiquer la langue. Je pense que ça serait une super expérience, donc je pense que c'est un truc à pas rater. On peut le faire en L3, on peut le faire en master, mais je pense que c'est un truc qu'il faut pas hésiter à faire, il faut se lancer.